Société, comment nous y est? Content pour nous avoir nous jeudi à une nouvelle émission. Je connais déjà émission 4 pour vérité. Nous pourrons analyser, nous pourrons questionner, nous pourrons regarder ça comme information avec collaborateur Désir Venesse que nous connaissons chaque jour qui est important pour nous analyser et regarder ça comme information. Désir, soyez bonjour, mon frère. L'invitation de la police Nadelma annoncé que vous mettez main dans Colette Johnson Antoine qui c'est un présumé bandit qui fait partie réseau criminel 400 Maozo c'est dans Gérald Bataille que vous mettez main dans Colette aussi là et qui pratiquement a bail problème dans le pays selon la police. Président pays Kenya William Ruto annoncé qu'elle doit rentrer en dedans pays à dans journée 21 septembre 2024 là et mes chefs l'état kenyan voulait et c'est donc constater ensemble j'effort que policiers kenyan yo a fait dans pays d'Haïti pour aider police nationale d'Haïti. Et l'invitation de question corruption, nous avons qui pour avec conseil présidentiel transition ou gouvernement qui l'a, il y a un pile question qui a posé. Selon DJ Benel, chaque mois, équipe qui sous pouvoir, il y a braqué l'État, comme intelligence là, qui évalué à 454 millions de goudes pour palais national et 400 millions de goudes pour primati, 40 millions de goudes pour ministère intérieur, 14 millions de goudes pour Gojera. Par contre, qui est-ce qui Gojera? Est-ce que c'est le premier ministre qui est le Gojera? Il parlait de 154 millions de goudes pour service d'intelligence et il demandait qui ça a fait avec l'agence à Blaise Peterson. Parce que jusqu'à présent, nous remarquons que la police a goumé à zone et nous avons rappelé que le premier ministre Dr. Gary Kony, avec mon gouvernement, Yoshita, yo présenté avec la presse bilan que yo travail yo réalisé pendant 100 jours que yo gagné depuis qu'il a dirigé le pays. C'est le premier ministre Dr. Gary Kony, il y a ensemble matériel que yo remet avec la police et l'ami d'Haïti, et discussion continuer avec pays amis, pays voisins, pour au moins aider l'armée à retourner dans fonction en dedans pays, dans protéger, il parlait des moyens maritimes, il parlait des moyens aériens, elle parlait des armes qu'elle fournit avec l'armée d'Haïti, même gens avec la police. La situation du département d'État américain, malgré ça, il a fait quoi, il a porté comme support en dedans pays, et bien, Blaise Peterson, crise insécurité qui a traversé pays, il a affecté sérieusement ça qui est pour avec financement et national. En pile compagnie, joindre, c'est extrêmement difficile. Vous êtes capable d'honorer dette à contrat que vous avez, surtout avec la banque. Les regardez, ils ont ensemble 6 branches dans la banque commerciale. Aux environs 59, obligés de camper, ils n'ont pas qu'à fonctionner ou bien au pied. C'est ça, gouverneur, banque centrale, la BRH, Gabriel, déclaré l'institution parce que lui fait quoi que la situation paraît très difficile, selon Ronald Gabriel. C'est GFO qui a fait, qui permet que vous été Kébé toujours. Établissement, conseil électoral provisoire. Secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, bat bravo, lui félicite avancé qui a fait la yo jusqu'à présent. Pendant la rappelé, et Dr. Gary Kony, déjà pas dans le pays, il est pratiquement allé à l'État New York pour au moins al discuter dans la 79e Assemblée générale Nations Unies, côté au Gal discuter. Pendant les États-Unis, il a continué dans l'engagement qu'il a gagné envers Haïti pour le travail, pour la stabilité en dedans pays, eh bien, 100 personnes pas capable de comprendre ça qui est là. Hein? Parce que, je dis, même département d'État, yo Antonio, dans la mise à jour que vous faites, mercredi qui était 18 septembre, eh bien, dans ça qui est pour avec le conseil voyage, qui reflétait plus de problèmes dans le pays d'Haïti, information sous crime, eh bien, Haïti, li pratiquement, dans 4 années consécutives, les personnes, eh bien, Haïti, li kembe, yon alerte maximum 4. OK? Ensemble, ressortissants américains, selon le département d'État, pas doué voyager dans le pays d'Haïti à cause de kidnapping, crime, agitation civile et qui pratiquement a service santé qui limité. Et ligade tout, dans sa qui est pour avec question avertissement, que le département d'État, yo fait qu'on est aéroport Port-au-Prince, capable yon point focal pour bandits armés, capable de faire braquage, kidnapping, voilà, mais armé. C'est peut-être ça. Yo conseiller, ambassade américaine conseiller, elle exigeait personnel liyo pour yo utiliser transport officiel pour y aller et dans aéroport, à sortir dans aéroport. Ça veut dire, bagarre pas trop facile du tout, en dedans pays, hein, si nous coûte, ça les États-Unis dit, pendant c'est eux-mêmes qui supporter, c'est eux-mêmes qui fait formation pour police nationale d'Haïti. Conseiller présidentiel, Leslie Voltaire, Leslie Peterson, lui déclaré, conseil présidentiel là a fonctionné sans pièce problème. Pas de pièces problème dans le conseil présidentiel transition. Malgré soupçon corruption que autant de qui gagne, sous trois conseils présidentiels, en pile secteur et des mobs dans l'organisation dans le secteur, tant qu'on a 21 décembre, tant qu'on a aidé à demander pour yon écarter
membre qui est au conseil présidentiel transition pour Leslie Voltaire, monsieur Sayo, c'est Jésus qui est, il dit qu'embé là, pas retirer dans conseil là parce que conseil là jusqu'à présent l'a bien marché Blaise Peterson. Kounia, si ça la pose peut-être comme question, est-ce que c'est population qui pratiquement et a fait menti sur nèg ou bien c'est population qui problème là? Eh bien, revers national avec diverses structures, partis politiques, organisations, te décide de fouler béton dans l'idée pour te commémorer. Vous terrenel marche des braves. Vous te commémorer 266e année naissance en proie Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la nation, diverses personnes, diverses activités étaient réalisées. Dans le niveau capital, là, côté gain divers acteurs qui parlaient, nous pouvons permettre 100 000 internautes, mais cette nouvelle, Blaise Info, Point Nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, reconnaissance, sous ensemble, ça a été dit, dans le cadre de la journée Dessalines, diverses personnes. Désivelé ça que m'a pas ajouté en bas j'aime que moi là gait assemblé bandi belen en kempes cap dirigé nèg yo assemblé tapiqué tifé dans plusieurs kay dans zone Kafou Payan et je ne qui c'est vendredi 20 septembre non mais malheureusement désir selon que ça n'a apprendre les nèg al tomber son petit blindé et semble en pile ta fait vrai pour ce chavou hein nèg yo qui semble ta piqué tifé dans ensemble de kay moun qui dans zone ça mais en même temps tout nèg yo en pile nan yo calpote sous blindé la médaïti calpote sous blindé et policier haïtien yo nèg yo en pile nan yo semble al faire vrai pour pays sans chapeau de Sivenès. Nous va venir avec plus de détails sur ça puisque les amis internautes nous qui eux même suivent nous il y a toujours besoin qu'on ait ça qui a passé en Haïti et surtout à l'étranger. Les Ibénès n'apprennent que le président pays Kenya William Ruto monsieur qui t'a droué non visite quelques heures dans pays d'Haïti jeudi samedi 21 septembre 2024 là président pays Kenya William Ruto monsieur qui t'a droué visiter Haïti pendant quelques heures jeudi cap samedi 21 septembre 2024 là et William Ruto monsieur cap pour la visiter tout et base monsieur Kenyan Lio qui en Haïti depuis 25 juin côté nèg yo vini en support en appui avec la police nationale d'Haïti Désir Venesse. En même temps tout mon frère si que Leslie Voltaire fait qu'on est que tout bagarre a bien marché dans le conseil présidentiel transition. Eh bien, vous dites que, question 3 conseils nous cité dans le scandale de corruption que en plus nous avons demandé pour EKTO, Leslie Voltaire, monsieur qui se représente à la famille Lavalas, monsieur compte l'idée pour ta EKTO, avec 3 monsieur Sayo, en parlant de lui Gérald Gilles, et Emmanuel Bettiler et Smith Augustin, que ce 3 monsieur Sayo, qui nous cité dans le scandale de corruption en dedans. Et conseil présidentiel transition, hein? Et les que nous connaissons que, monsieur Sayo, il est impliqué dans ce cas de la corruption avec ancien président conseil administration BNC, hein? Monsieur Raoul Pierre, lui, qui a fait connaître que 3 monsieur Sayo demandé lui 100 millions de goudes pour qu'il soit capable de reconduire comme président et BNC. Eh bien, désir, semblé, CARICOM lui-même, ou bagarre l'autre gens. Semblé, CARICOM, il t'a demandé pour retirer 3 monsieur Sayo, qui c'est lui Gérald Gilles, représentant quoi 21 décembre, Emmanuel Bettiler, représentant Petit Dessalines, Smith Augustin, représentant Red Aidé et Compromis Historique. C'est que, il y a tellement de pour 3 messieurs Sayo, mais pour t'arrêter si reconstruire sa CARICOM fait qu'on est. Et pas oublier, qui dit CARICOM dit les États-Unis, parce que c'est États-Unis qui va nous CARICOM. Et dit les CARICOM parler, c'est États-Unis parler. Mais je dis à désir, pas de nous bagaille. Nous avons qui ban politicien salope en un pays ça. Nous avons une classe politique salope en pays. Nous avons une élite intellectuelle salope en pays. Nous avons la bourgeoisie salope en pays. Nous avons une société civile. Nous avons même tout. C'est des manfous qui sont là. Ça ne va pas oublier. Nous avons une diaspora ici en tout. Que je dis, nous avons tout à plaindre. Nous avons tout à dire que le pays n'est pas bon. Trop insécurité, trop misère, trop violence, trop grand goût. Mais yo pa vle fè an sérieux pour retirer pays dans sa li là. Yo seulement rete a plein. Yo seulement ap tande mouche blanc. Yo seulement ap di mouche blanc pa vle fè an pou yo. Mouche blanc bloqué pays. Mouche blanc a fait si. Mouche blanc mais yo même en soi yo pa vle fè an rien pour pays ça. Yo pa vle coller ses pôles yo pour retirer pays dans sa li là. Je dis hein, bon c'est que Dwege Sanele ou appel à la conscience citoyenne qui doit prendre la cache chaque haïtien pour comprendre que Haïti, chéri nous,
c'est pas ni étranger, c'est pas ni américain, c'est pas ni canadien, c'est pas ni blanc français à cabinet Haïti dans salle là, c'est nous même d'abord haïtiens qui vous mettez ensemble. C'est nous même d'abord haïtiens qui vous connaissez Paul pour garder comment que pour nous retirer Haïti dans salle là. Et je dis, si que nous avons conscient, je dis, si que nous avons d'accord que Haïti pas gain droit péri, Haïti c'est pour nous lié et faut nous connaissez Paul pour que nous retirer dans salle là. N'a fait carré à plaigner, n'a fait carré à dénoncer, n'a fait carré à dire que pays a pas gagné envie vivre, pays a pas bail mon groupe qui était la donne. Je dis quoi que c'est engagement qui vous prend et c'est chaque haïtien pour comprendre que dans quel niveau qui a engagé yo en Haïti ou à l'étranger pour retirer Haïti dans sa là. Parce que nous capable garder bien comment que je dis ancien président et actuel candidat à la présidence républicaine Donald Trump avec toute équipe li, nèg yo lancé une véritable campagne discrimination contre haïtien. Et je dis en plus on a posé question, est-ce que si équipe Trump n'est arrivé président, qui parle sort haïtien, qui parle sort immigrant haïtien aux États-Unis, qui parle sort l'immigrant aux États-Unis, les qui a regardé, mais la façon que Donald Trump lui-même avec équipe client, il a avancé là, je dis, il a senti que, eh ben, si monsieur est arrivé président, il pral vraiment mettre États-Unis en bouleverse et pays en pral tête en bas. Qui donc des Ibanez, situation sa yo, action sa yo, encore montrer que et doit motiver haïtien qui doit prendre engagement la caillou pour faire Haïti mais on le pays pour faire de pays ça on notre nation pour faire de pays ça avec qui de côté pour capable vivre et c'est là qui de capable retourner en Haïti des Ibanez. En même temps tout désir notre question sécurité. Là, prendre que, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ensemble avec Antonio Guterres, les gars, chita au palais, mais y a essayé d'étudier stratégie pour comment que, y'a capable de transformer, eh bien, mission multinationale, ça, en mission la, soutien et la paix. Ça veut dire que, une mission au ministère en Haïti. Ça veut dire, une mission onusienne en Haïti. Est-ce que, monsieur Pral changer mission multinationale en mission et une mission onusienne? C'est des questions qu'on a posées, des Ivenes, mais quand même déjà, Anthony Blinken, mettez avec Antonio Guterres, monsieur déjà chita parler pour que comment vous capable arriver, mettez ça nélé, et bien travail sous transformation, mission ça en mission onusienne. Des Ibanez, bon certains de Morales qui sont gang armés. Monsieur, monsieur Valagene Sosli, je n'ai qui c'est vendredi 20 septembre, nan, et c'est commissaire gouvernement Miragouana, Jean-Ernest Muscadet, c'est lui-même qui va, monsieur, mon EPSLI, des Ibanez qui nous allons analyser, nous allons questionner ça, yo, et nous allons finir avec ça, le bilan sans premier jour PM Gary Koni nous présenté. Et dans le bilan, ça, nous allons parler de questions d'élection, de questions de sécurité, nous allons garder ça, yo, nous allons analyser des Ibanez, parce que ça m'intéresse, nous avons besoin qu'on ait exactement ça gagné comme information, mon frère. La situation est pays a pratiquement un gros problème là-dedans. Parce que longtemps de gouverneur Banque Centrale, Ronald Gabriel, qui présentait 59 banques commerciales, ok? Ou bien, petit embranchement qui a gagné et qui a pour avec sur la banque, qui a mal fonctionné. Elle fait quoi? Il y a des gens qui vandalisent. Il y a qui pillent, ou soit ils ferment net. En plus de ça, gagné 122 milliards de gros de prêts que yo accordé qui n'ont difficulté pour récupérer. Donc, si la presse donc regarder sous petite rivière de l'Antibonite la Camoin, coopérative de paye à crédit dans l'antirivière qui vandalisait et qui était fermé déjà, qui bon paquet l'argent qui dehors comme prêt qu'elle pas ca récupérer. Ça veut dire ensemble ça yo, il y a gain gros conséquences sur pays. Yo avancé. Les personnes yo, on a Gabriel qui a parlé toujours. Li dit gagne 307 compagnies. Yo dit qui a plité pour capable rembourser dette yo et puis gagne 967 petit moyen business tout petit qui ont vandalisé et puis yo vin dysfonctionnel à cause abi nek exam yo. Gouverneur DRH là qui explique ça. Je dis on va trouver une situation comme ça. Côté moyenne entreprise yo, côté banque commerciale yo, qui dans ville de province, qui dans capitale là, pas qu'à fonctionner, y a connait des moments vandalisme, il y a connait des moments pillage, parce que bandit exam c'est eux qui fait la loi, la police perdue, ça a été gagné comme puissance, comme pouvoir sous territoire, eh bien, la situation de bagarre est extrêmement difficile. Qu'on y a, qui l'autre question que nous devons poser tête? Mais c'est l'en regarder, département d'État. Département d'État qui pratiquement les États-Unis, ok? Qui tout le temps dit, il y a continué,
répéter dans engagement qu'elle gagne envers Haïti pour travailler pour une stabilité. Et je dis, même département d'État ça décide de demander citoyens yo pas voyager dans le pays d'Haïti, elle toujours kembe alerte maximum 4 sur Haïti. Parce que gen crime, gen kidnapping, gen braquage, gen vol armé kap fait en dedans pays a. Et même gen des doutes qui blaye pas gen sûreté sous aéroport international tout Saint Louverture parce que elle dit gen activité nek exam kap fait dans périmètre ça. C'est pour ça qu'elle mandé ensemble ressortissant ou bien employé yo qu'elle gagne ambassade américaine mandé yo c'est à travers convoi officiel pour yo déplacer pour y aller dans aéroport international de Saint-Louverture. Est-ce que nous arrivons à comprendre? Est-ce que nous faisons déduction dans ça qui a dit yo avec dans ça qui a posé comme action yo? Parce que yo dit nous que yo gagne une mission qui est les missions multinationales que les États-Unis dit investir là-dedans. Avion US Force Pacific atterri dans aéroport international Toussaint Louverture qui ça a dit yo pote moyen qui cap permettre que la police ta efficace qui cap permettre que la police a rentré dans combat contre bandits terroristes qui en dedans pays a moyen qui a vini pour permettre que force l'armée d'Haïti li réopérationnel dans dimension qu'elle était dans temps avant c'est permettre que mission multinationale support soutien avec la police là efficace dans cadre travail. Mais là ouais même moun sa ou moun yo krent yo peur. Li ta dwe di nou bagay nou même comme peuple. Li ta dwe di sa kap dekri la, bless personne, li malheureux, el triste en pile, nou besoin très prudent. Nou même comme peuple nou besoin pran disposition. Je di que opération la police y a multiplié, y a intensifié dans divers quartiers dans région métropolitaine. Si n'a gardé dans Badelma, si n'a gardé dans Solino, si n'a gardé dans Fort National, si n'a gardé dans Belè, Cité Soleil. La police dit, il y a frappé. Quoi de bouquet, c'est une intervention qui fait. Mais, peuple qui a souffri, quitte ça qui est dans le pays, ya, ou bien dehors le pays, il y a dit que ce n'est pas satisfaction. Ou êtes d'accord que ce n'est pas satisfaction parce que il n'y a pas qu'à déplacer de un périmètre pour y aller dans le périmètre. Je dis, fin d'année n'a pas avancé. Ok? Nouvel an n'a pas avancé. Si la qui, États-Unis d'Amérique, li en vivin la Kaili, li saute perdu été, li pas qu'à rentrer la Kaili. Pour lui-même, jusqu'à présent, c'est grimace qu'a fait là. Le ministre a annoncé que moyen vini pas bon pas paquet by police nationale là by force l'armée d'Haïti mais gen des zones qui a questionné tant que moun ki dans département la Tibonite jodi a y a mandé des personnes est-ce que premier ministre directeur général la police yo pas gen connaissance de ça qui a passé dans département la Tibonite jodi a parce que sont dit ensemble matériel yo vini pour renforcer la police parce que ça que premier ministre dit dans bilan qu'elle fait pour 100 jours, lui-même avec le gouvernement là. Je dis à mon département la Tibonite, deuxième plus gros département pays là, en termes de population. Ok? Eh bien, lui trouve une situation très difficile. Et porter que le département la Tibonite gagne, ce n'est pas comme ça qu'il doit traiter. Et je dis à lui faire nous comprendre. Ça qui a dit qui fait quoi que n'est une non-bataille contre production nationale, eh bien, il y a aucun département la Tibonite avec question insécurité qui est là. Chef CSPN, croisez bras ou pas dire une question. Et puis, il dit qu'il a renforcé la police. Et en pile la police sou attendé et SPNH 17 Gary Jean-Baptiste ou après il y a des policiers qui pratiquement trouvent dans des situations très difficiles il y a des recommandations que yo continue à faire sous tant de responsable Sinapoa ou après il y a des recommandations que yo continue à faire. C'est vrai que policiers engagés dans quatre batailles pendant nèg qui vini là qui vient en support avec la police il a dansé troubadou il a bien mangé dans basio. OK? Pas de rien qui veut faire. Je dis, nous besoin de prendre responsabilité. C'est soit nous d'accord, il y a des gens qui viennent aider nous. Il y a des aide là. Nous coordonner aide là. Nous disons qui sont qui ont aide là. Si officier kenyan yo, avec Jamaïque qui est dans le pays, là, blessé personne. Si nous venons sous bataille, pour résoudre le problème de sécurité, tout bon vrai, ouais, tout pérez, tout suspense qui est là, je dis. Ensemble, bureau d'administration publique, qui pas calme dans l'espace, yo t'a dû être dans l'espace. Est-ce que c'est chaque fois que Dr. Gary Conille, le premier ministre, a descendu dans la ville, ou après que présence de la police lui fait remarquer, montre qu'il y a quelques activités qui ont fait sous la forme, et puis qu'il allait continuer à péter? Bilan sans joie, les mecs, en pile moun pa wè en yen là-dedans, en pile moun pa wè clé là-dedans, de fait, nous allons quitter ces moun yo qui tendent des blessures personnes, à partir de yo, il a dit qui ça yo wè, qui ça yo comprenne, dans le bilan que le gouvernement, Dr. Conille a présenté, pour 100 jours qui ont passé dans le pays, malgré pas gagné sécurité, yo parlons de élection, yo dou adelante. Parce que ministre finance avec économie, Kathleen Florestal, lui dit que c'est 700 millions de goudes que yon mette disponible là pour question KEP pour organiser l'élection. D'ailleurs, nous voyons que j'ai marché pressé.
yo déjà metté et KEP au campé avec sept membres côté le marqué des membres yo pas même retenir organisation arrangé parce qu'il y a fond piqué devant à partir de ça là il y a cagé en fond comme est-ce qu'on cap continuer à faire pays comme ça et autant de l'argent et renseignement service d'intelligence l'argent a blanchi c'est tout nèg qui a blanchi tout nèg a fait comme pas dans façon pas dans sens pas dans dimension pas pour faire un prêt à la chaque nèg décide font bagaille chaque nèg décide pour prendre direction président conseil là Edgar Leblanc fils il était la caille dans Miravoine il y aller dans espace côté moun yo té mourir dans explosion là il déposer Jeffle là il déposer Jeffle dans mémoire moun ça cependant aujourd'hui hein ou t'a dû ouais Edgar Leblanc fils qui t'a dû dans tête une délégation qui pourrait aller dans pied papa nation qui l'a pas déposer Jeffle mais malheureusement là fraîchement là joindre normalement moun qui té mourir dans explosion ça veut dire c'est un gouvernement qui pas coordonné chaque nèg a tenté faire affaire par eux pour y aller visibilité vinn jwenn yo et là ça peuple a pratiquement pas dans les personne et le bagage encore des jeunes ça dit a tellement gros part de vérité nous t'a dû capable jeunes et conseil là pas qu'on est étape tout qui est ce table délégué qui t'a pas déposer un jefflet et bon comme m'a parlé de chair de mars nèg de cal déposer un jefflet en papier papa nation pour que yo on pour vraiment dans occasion 260 combien année anniversaire là mais puis au bail valeur ça nego pas fait ça égal beau fils mais problème non pour la salir mémoire moun ki mouri yo comme monsieur sénégal ça fait n'importe qui la blaise bon, exactement premier ministre dans date là lever le parti non lui même bon attendez on va pas comprendre on se bagarre désir est-ce qu'on connaît Gary Koni fi chef passé nèg ça yo. Non, mais c'est ça, arrive. C'est ça que je dis, monsieur, levez le parti. Je veux dire, si nous avons parlé de pays d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines représente, sale représente, ou quel que soit le déplacement que Gary Koni a gagné, je veux dire, en blesse personne, il doit sacrifier pour essayer de regarder le gouvernement et à tout le monde, il débarquer pour t'aller dans le pied, papa Dessalines pour t'aller honorer 266 ans, ok? Année naissance emploi. Je veux dire, ensemble, pays qui a gardé ou qui pas jamais respecté des salines parce que des salines te goûtent pour te faire indépendance, et bien je veux dire, on continue à servir avec position ça pour montrer que des salines pas fait un pour Haïti. Le bagage m'a tout désir. L'aime du gars qui est chef par Sénégio, on a des désirs. Nous dit que, et qu'on conseil résidentiel, et le gars, le fils, c'est coordonnateur de conseil résidentiel. Si Abgain 79e Assemblée générale des Nations Unies, qu'est-ce qui t'a dû prendre la parole dans Haïti? La présidence. Bah, si vous avez compris ça bien, ça m'a dit. Qu'est-ce qui t'a dû prendre la parole dans Haïti, dans l'occasion de la présidence? On va dire sauve les. Conseil ça ou là, je joue la présidence. Je joue la présidence. Comme c'est Edgar Leblanc fils qui est même actuellement qui gagne mandat par là non mais là c'est lui même qui censé sous tête cap coordonner tout le monde là nous avons 2 juin Edgar Leblanc fils dans délégation hein. Et c'est lui même qui t'a dû bon bah connait tout s'il va pas le rejoindre nèg yo bah connait mais quelque part vini pour vini tout monde capable de comprendre capable de ouais que c'est Koni qui capable prendre la parole sous tribune Nations Unies en Haïti. Elle dit, Koni, c'est lui qui chef, Koni, c'est lui qui boss des boss nègre. Parce que c'est Koni qui a plus bon blanc de elle. Malgré que c'était nègre que tu choisi, Koni. Non, nègre que tu choisi, Koni. Tu es posé nègre que tu choisi, Koni, mon cher. Sauf dit là, nègre que tu choisi, Koni. Elle est fou même, désir. Tu es posé nègre que tu choisi, Koni, mon cher. Elle est fou même. Cher, en termes de Koni, il y a dans un bilan 100 jours là. Et puisque 100 jours, c'est 3 mois. Je dis, il était 16 mois. Bon, en tout cas, nous allons regarder pour nous. Agenda, conférence nationale. Constitution et élection. Comme dit-nous que le gouvernement s'est déjà attelé à cette tâche. Le Conseil présidentiel de transition a déjà publié le décret du 17 juillet portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la conférence nationale. L'autre bonne nouvelle, c'est que les membres du comité de pilotage ont été installés depuis le 23 août dernier. Et dès leur installation, nous avons immédiatement commencé à travailler en étroite collaboration avec eux. Nous sommes en train d'évaluer les défis et pour voir comment nous allons répondre à leurs besoins et planifier les activités, y compris, bien sûr, les assises de la conférence nationale. L'un des principaux objectifs
est évidemment de définir un calendrier qui prévoit un référendum constitutionnel entre février et mars au plus tard. Et en parallèle, le Conseil présidentiel a entamé le processus de sélection des membres du Conseil électoral provisoire. Et ça, évidemment, c'est une étape cruciale pour garantir des élections transparentes, qui est l'un des grands objectifs de la transition. Le Conseil présidentiel de transition a lancé un processus en août 2024, conformément à l'accord du 3 avril 2024. Et les membres proviendront, comme ça a été prévu, des secteurs signataires, et la majorité des secteurs ont en fait déjà désigné leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'une des choses les plus importantes de la transition, la mise en place du Conseil électoral, qui est vitale pour réussir la transition, comme je viens de le dire, au 7 février 2026, est pratiquement déjà en place. En attendant la formation complète du Conseil, nous avons entamé des actions préparatoires pour, un, évaluer les capacités opérationnelles et fonctionnelles de toutes les structures qui seront impliquées dans les élections. Deux, nous avons engagé des experts techniques pour nous aider à réfléchir sur les options en matière électorale et nous assurer qu'au moment venu, nous pourrons effectivement livrer la marchandise. Et trois, ceci est très important pour nous, nous avons commencé à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral pour que dès son arrivée, nous serions en mesure de les accompagner, nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour pouvoir avancer très vite. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la situation sécuritaire actuelle. Les violences perpétrées par les gangs armés, en particulier dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, représentent un obstacle majeur à la tenue des élections libres et surtout des élections équitables. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça, d'autant plus que ces zones représentent 53% de l'électorat. Donc, nous avons sollicité l'aide de conseillers. Nous sommes en train de regarder les options, mais je peux déjà vous dire que nous sommes confiants que nous allons pouvoir aller de manière résolue vers des élections auxquelles nous nous attendons à ce qu'une majorité de la population participe. Maintenant, grâce au soutien de gouvernement des partenaires, nous avons établi un fonds commun pour le financement des élections. Et je peux déjà vous dire que nous, en Haïti, nous avons contribué plus d'un tiers du montant qu'il faudra pour pouvoir à la fois assurer l'évaluation de la Constitution et aller de manière résolue vers les élections. Nous avons estimé qu'il nous faudra près de 120 millions de dollars pour financer ce processus. 120 millions de dollars, parce que là, allez-y. 120 millions de dollars. OK. Mais nous sommes assez confiants que nous allons pouvoir mobiliser ces ressources. Qui ça nous fait pendant 100 premiers jours, soit fait élection Constitution. Un bien compatriote, moi, mission noire, c'est mettre sécurité dans le pays pour référendum sur constitution avec élection faite dans l'année 2025, et puis remettre pouvoir au nouveau Parlement avec le président qui doit prêter serment 7 février 2026. Pour ça, nous prenons toutes les dispositions nous capables pour ça fait et déjà conseil présidentiel transition, rivé mettre campé Conseil électoral provisoire. Dans 100 premiers jours, le gouvernement vient inverser 700 millions de gouttes dans le fonds qui pourra financer l'élection. 700 millions de gouttes, ça vient compléter le fonds qui est là déjà pour assurer nous que l'État haïtien a pris responsabilité élection pâle. Oui, nous allons chercher partenaires, mais avant tout, faire élection, c'est responsabilité par nous et nous avons nous les moyens pour que ça fait. Gouvernement a mobilisé tout nos équipes experts pour accompagner KEPA pour ne pas manquer en rien d'assistance technique avec besoin à toute l'autre qualité appui qu'il y a besoin pour y aller vers l'élection. Compatriotes, moi, je profite à annoncer nous. Je parti pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'a fait New York. Moi, je joins en pile invitation pour continuer à expliquer urgence situation pays a côté communauté internationale là t'es sous-estimé en pile gravité crise humanitaire crise sécuritaire à crise économique là et évidemment à crise sociale là. M'a tourné une deuxième fois pour m'expliquer pour qui ça et qui gens
Haïti doit changer stratégie pour lui joindre une sécurité tout bon. Moi, je vais continuer à faire plaidoyer pour présence de l'armée d'Haïti dans l'opération. Pour la police joindre l'autre qualité matérielle à examen qui est plus adaptée. Moi, je vais continuer à défendre feuille de route du gouvernement. Quand nous déjà commencé à adapter financement nous joignons à nouveau réalité ça qui est plus difficile aujourd'hui. Ministre Affaires étrangères qui déjà l'autre bord appelé dans la délégation non côté nous pour rencontrer plusieurs gouvernements étrangers pour nous remobiliser communauté internationale là la tout appui que le gain pour le bano surtout la question feuille de route ministre. On a dit moi moi pas là je dis pour me faire une promesse que gouvernement pas kakembe. Réalité n'a vivre là difficile et puis défi au grand pile. Mais moi je veux assurer nous une seule bagaille. Depuis gouvernement prend pouvoir, gouvernement m'a dirigé à travers la journée pour la nuit pour améliorer conditions la vie chaque haïtien à chaque haïtienne. Moi, je dis nous que route la voie longue, que l'obstacle voit l'empile, mais n'a pas avancé et nous pas fait battre. Dernière semaine, ça, la police a clamé faire un pile progrès sur bandit. Zone qui était abandonnée, je dis à nous commencer au fur et à mesure de prendre contrôle. Monde qui était quoi, intouchable, ouais, que n'a pas arrivé sur yo. Chaque étape nous fait, c'est une étape qui mène nous dans une plus bonne avenue. Une étape qui mène nous plus près côté de l'Alia. Nous déjà fait quelques progrès et n'a fait plus toujours. Ça pas facile et à des moments côté n'a pas senti nous voulait décourager. Mais nous devons songer que l'histoire peuple non, c'est une histoire de résilience, courage et détermination. Nous déjà passé dans tempête qui plus violent et nous toujours levé campé. Nous t'es confronté à adversité avec un courage qui inspirait le monde entier. Et c'est l'esprit ça, héritage dans cette mur, que nous devons continuer à honorer. Chaque effort, chaque sacrifice nous fait aujourd'hui, c'est pour petite nous, c'est pour génération qui va venir. Qui donc, en kembe main dans la main, en unis nous autour de vision, yon Haïti mieux, yon Haïti qui campe, yon Haïti côté chaque citoyen qui va vivre la dignité. Sécurité avec l'espoir. Mais aucun doute qu'ensemble, nous cassons surmonter des défis. Ensemble, nous pouvons bâtir une nation qui est plus forte, qui est plus juste et qui est plus résilient. Voyage, nous pouvons faire ensemble là, pendant 16 mois, ce n'est pas un coup de 100 mètres, c'est un marathon. Et moi, certain qu'avec support, nous, courage, nous, détermination, nous avons franchi la ligne finale là. Plus fort, et puis uni, passez jamais. Merci et que bon Dieu bénisse Haïti. 80% zone métro. Là, c'est Maître Carlos Hercule, à tout de suite après et PM Gaïkouni, c'est ministre Justice et Sécurité publique, Maître Carlos Hercule. N'a fait d'un des tout et après ça, n'a fait, moi, Désir, n'a fait rallye, mais n'est venu. Politaine pour au prince là, tout contrôle gang. Ça veut dire qui ça? Gang yo. Yo occupé en pile espace pendant que y a commet tout mauvais acte qui gagnait tant coup viol assassinat et pire encore yo mettait ça yo les postes de péage gagnait pour pipiti 50 installations police nationale tant coup commissariat sous-commissariat antenne qui endommagé soit yo met du feu là-dedans ou bien yo vandalisé. Et une bagarre qui vraiment fort, c'est que police nationale là, est dépourvue de moyens. Ça veut dire équipement qui doit permettre de faire face avec gros actes, banditis ça yo, tant qu'aux armes, munitions. Bon, l'autre problème encore, c'est ça y aurait les déperditions, hein, parce que grand pile nan policiers yo qui voyageaient parce que ont bénéficié de un programme humanitaire. Gen la dan yo ki kite sa, et gen lot yo oblige mete yo dehors pour mauvais comportement. Nous comprenons que
héritage là li nou en pile. Si n'a passé son l'autre axe qui c'est état de droit, justice. Depuis l'année 2021, eh bien palais de justice pas gen côté pour loger puisque bandi nan bicentenaire météo de yo. Ça veut dire palais de justice Port-au-Prince là c'est la descente que bal fait dans le tribunal du travail. Palais de justice quoi des bouquets, c'est la descente que bal fait mérita bal fait. Donc pour comprendre que accès à la justice là, distribution saine de la justice sont bagage qui était très hypothétique. Le nous rivé dans le ministère de la justice, eh bien 3 jours après nous t'a accueilli par une grève qui fait que son dysfonctionnement de la justice qui fait que taux détention préventive prolongée a continue à monter mais longue. Après 100 jours que nous gagnons là dans le ministère de la justice, qui ça qui arrive à réaliser? On nous dit dans question sécurité pour l'état colmater brèche là, eh bien gagnons arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire que Conseil des ministres l'en prend. Eh bien, arrêter ça, ils sont des outils qui baillent autorité, yo, moyen, pour être capable de répondre avec crise là. Ça t'est pour un petit temps, mais le rive a tout le monde. Opération sous Belé, opération Solino, opération dans Rue Saint-Martin. Gouvernement t'est fait en pile, j'ai fort pour que commande qui t'est faite sous ancien gouvernement, eh bien, yo atterri. Là, m'a parlé de 20 blindés qui t'est commandé depuis novembre 2023. Et c'est finalement que yo arrivé et yo poté un gros support by force de l'audio dans l'opération y a mené sous terrain. Et yon nan bagay qui vraiment déterminant, c'est le, ou apprend nous compte, c'est première fois côté que PNH avec FADH main en main y a fait des opérations, ça veut dire gagner une cohérence dans cadre intervention qui fait dans dernier moment ça yo par force publique yo. Gouvernement ouais nécessité pour bailler un accompagnement à famille. Tu comme désigne déjà nous gagne 260 000 familles ménages qui a recevoir 20 000 gouttes à travers 7 départements au milieu grand sud, c'est-à-dire l'ENIP, département du Sud et aussi la Grandance. Mais actuellement, le gouvernement réfléchit pour comment pour le tourner dans le Grand Sud là encore, pour renforcer l'accompagnement que vous recevez déjà. Puis, le gouvernement baille à travers la distribution du livre unique à 2 millions d'ouvrages pour 2 millions de personnes à travers le pays. Plus, nous avons distribué par l'école le manuel d'orientation de la réforme curriculaire. Donc, on est ministère engagé dans la réforme du curriculum, ou bien l'école là, en l'autre sens, en l'autre orientation. Et surtout, ça me dit, gouvernement encourage nous mettre en œuvre la politique de l'intervention psychosociale. Dans les écoles, bon, colonne et professeurs, parents, team, directeur de l'école, qui étaient victimes de traumatismes, n'a fait des interventions psychosociales, c'est-à-dire des psychologues n'a déployé à travers le pays, tant de timounio faire un travail de deuil, d'écoute, de compréhension, de gestion des traumas, et travail ça, les combiner à tout volet, et pédagogique, et didactique, ben, nous, l'essentiel. Dans le sens du gouvernement, nous pas fait miracle, parce que des contraintes, mais nous fait l'essentiel pour permettre au gouvernement atterrir auprès de la population, saisie son affaire. Désir, au grand mot frère. Pour 100 jours, il n'y a pas fait miracle parce que tu as une contrainte. Blaise, on met tout noté ça. Nous avons fait une question de contrainte pour jusqu'à l'infini et pour tout ça que vous avez fait, que vous n'avez pas fait, vous avez adressé, vous avez adressé contrainte qui fait que vous n'avez pas réalisé. Moi, je comprends fort et mal. L'entendez, Premier ministre Dr. Gariboni, qui parlait de la Tibonite, c'est en termes de quantité de monde qui cap voté à département ouest, tout simplement. Ça veut dire, ouais, quel est le problème pour aborder le problème de sécurité dans le département de la Tibonite, là? M'a pas vraiment quoi que ça a dans l'agenda, Premier ministre. Mais c'est l'aile songer des élections pour organiser. Bien, moi, c'est la Tibonite.
l'aime pratiquement ouais modèle comportement ça lui permet que pas questionner est-ce qu'il pas bon bagage qui caché d'elle est-ce qu'elle pas les intérêts qui caché d'elle je veux dire mobilisation qui gagne dans département de l'ouest pour capable rétablir sécurité ou t'as besoin aussi même mobilisation ça contre gang yo qui dans département la Tibonite mais c'est pas ça qui a fait place c'est plus terrain que gang après dans département la Tibonite pendant réouverture des classes a avancé question élection a avancé et PM n'a parlé de moyens considérables qui viennent joindre la police. Il parlait de moyens considérables qui viennent joindre l'armée d'Haïti. Il parlait de moyens considérables. Les paysans mio qui viennent là dans quatre missions. Et est-ce que nous cabrete chita? Nous prenons un bel discours. Nous prenons un bel dialogue toujours. Je dis en blessé personne. Discours, pas de place. C'est pied à terre, poser action, c'est yo qui gagne place. C'est ça que la population a pris. Tant que Jean-Premier ministre a parlé, il dit qu'il y a un ensemble d'interventions qui a fait, qui portent des résultats, qui permettent que quelques zones qui ne peuvent pas fréquenter, qui fréquentent. Mais il y a fréquenté le Premier ministre, c'est chaque Premier ministre qui a mis la tête de dire ça là déjà des personnes. Je veux dire, la majorité de Mounio n'a pas de choses. Ou jeune Mounio qui dit oui, et dans la zone pas de choses, il a essayé d'autres fonds passer, il n'y a pas qu'à dormir. Parce que dans le cimetière de Port-au-Prince, bandits ont mis des bases. Ils ont varé sur Mounio dans la nuit. Ils ont fait exaction sur Mounio dans la nuit. Est-ce que, ensemble, discours, évaluation, jusqu'à présent, t'as dit que le bilan paraît, t'as son bilan paraît zéro. Son bilan nul, qu'il y ait, blesse personne. Spécifiquement, directement, yon nan ministre pas qu'a dit qui ça a fait, ou après que Yoshita sous base, pour mes. Comment t'as qu'à comprendre? Yon ministre justice et sécurité publique, li parlait, nan période, côté APC, donc, te montrer, situation. Et puis, c'est plein, il vient à plein. Comme ministre justice, oui, li dit que, et palais de justice de Port-au-Prince, li pratiquement c'est la descente que vous allez faire. Moi, je pense que dans le bilan, c'est fini que le ministre a dit, mais qui ça qu'il fait? Nous récupérer palais de justice, Port-au-Prince. Mais qui ça qu'il fait? Nous récupérer ensemble espace qui lié avec la police que bandit prend. C'est ça, aucun monde besoin de nous mettre dans le bilan. C'est pas fini de dire, mais qui ça bandit fait, mais qui ça bandit fait? C'est qui ça nous fait pour nous récupérer? Est-ce que nous récupérer déjà? C'est une nouvelle ça que le monde a prétendu dans les autorités. Leur chef ou pas, il doit à plaindre. De pour tomber dans plein, c'est augmenter sous capacité, groupe qui dit c'est adversaire là. Je veux dire, population déjà pas de confiance dans nous. Messieurs, qui dans le gouvernement ça, quel est dans le conseil présidentiel de transition? Nous n'avons pas de confiance en nous. Il y a ces deux groupes qui viennent là, qui viennent à fond de comme. C'est des conseils et que la communauté internationale a déposé là. Il y a dit, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire. Mais qui côté au cas agi, mais qui côté au pas cas agi. Et ensemble, côté qui a agi, c'est côté, normalement, qui pas trop dans l'intérêt de la population. Je dis, hein, sous tant de quantité de brigandage que nous avons fait, dans l'ensemble opération, la police a mené, il paraît hypothécaire, il paraît dangereux pour la population. OK? Parce que nous avons arrangé pour gagoter question service d'intelligence. Il n'est pas présent, il n'a pas fait travail là. Mais même, la situation passe 100 jours, bilan 100 jours, jusqu'à présent, où nous avons viré l'angle, il y a des gens qui ont tenté. Et li fort et mal, l'on un premier ministre, l'on un chef gouvernement, qui chita sous bilan pour la parler de aide alimentaire. Hein? La parler de crise et humanitaire, la chercher des supports, la chercher des aides qui a sorti d'autres mains, qui a sorti d'autres part pour venir là. Et yon essaie d'autre parler de 600 000 familles qui ont à deux âges pour porter sous des solutions pour aider. Hein? Et de qui j'en nous gale de yo, nous gale pote 20 000 gouttes bayou, nous gale pote 50 000 gouttes bayou. Qui sa 20 000 gouttes à 50 000 gouttes, ka fait pour un groupe moun qui est pratiquement nos équipes familiales, okay? Ou bien qui dans quel espace? Qui sa le gale fait pour yo? Parler de mobiliser plus ressources dans le trésor public là, pour résoudre crise humanitaire. Qui boyou arranger pour résoudre, pour collecter ressources sa yo? 700 millions de gouttes. Que le Premier ministre a annoncé de la situation. Ils ont déjà collecté à travers le gouvernement pour y aller organiser l'élection. Alors que cette élection a coûté 120 millions de dollars. 120 millions de dollars. Est-ce que l'élection est plus importante? Je veux dire, oui, l'élection est importante. Mais question sécurité à la situation, nous n'avons pas abandonné le blesse. Nous devons avancer sur la question sécurité. Et c'est sécurité à quoi nous avons l'élection de la situation. Moi-même, je prends le temps, ensemble, et même j'avais un peu les amis. Qui ont même pris ta prince, vous entendez PM Gary Kouni, entendez Carlos Hercule, ministre de Justice, et entendez ministre de l'Éducation, professeur Antoine Augustin. D'abord, et ça n'a pas étonné que
Dans le bilan 100 jours, Gary Koni, gouvernement l'a dirigé, tu as présenté mon bilan comme ça. Il va étonner. Mais quand il y a ça, mon a dit, entre ça, nèg yo présenté comme bilan, 100 jours, avec réalité, nan ki sa pour que peuple haïtien de quoi? Nan ki sa pour ou même qui dans diaspora k'ap gade nous là ou de quoi? C'est comme ça me dire. Nan ki sa pour quoi? Nan ki sa de quoi? Parce que je dis là ça que me ko comprendre c'est finalement ouais. Ça m'a dit à Cabral déranger le monde. Mais moins senti gion jet bluff cap jouer là bon côté équipe qui là gion jet mesdames cap jouer à la fois bon côté gouvernement koni non et bon côté capité et messieurs dames yo y a fait un gens là pour montrer que y était gen volonté y était voulait faire ça y était voulait faire si. Mais à cause de telle situation, il vient pas qu'à faire ça, il vient pas qu'à faire ci. C'est comme ça me le dit. Mais je dis, autant de KIP a monté, qui t'a dû monter avec 9 membres, il a décidé de dire mettre 7 membres en attendant. Il y a deux autres secteurs qui ont été mis en mitaille, droits humains et secteur femmes. Yo ka remplacer yo par de l'autre secteur, soit la jeunesse ou bien bah konnen sa liye. Ça k passé. Ça k ta montre que KIP sa pral monte là. Il tout monte sous base de division. Il tout monte sous base nek sa pral préparer élection pour ti goup pal, pour secteur pal. Parce que à part de c'était la presse, l'église catholique, si m'a trompé, qui pague de protestation. Après ça, tout l'autre secteur qui protestation. Tout l'autre secteur qui réagit. Et c'est la presse, oui. M'a attendu comme si, ah oui, dis bon, ok, nous pas bagage avec des dossiers. C'est m'a attendu comme ça. Mais après ça, tout l'autre secteur net m'a qu'a plein. Donc je dis, ça me dit qu'il comprend. Moi-même, j'ai toujours dit que Désir Venez. Priorité, nous, c'est pour gagner l'élection. Pour gagner l'élection, pour gagner la paix dans le pays. Pour renouveler le personnel politique. D'ailleurs, c'est plus gros obligation que fait avec un pouvoir de transition. C'est organiser l'élection. C'est comme ça me dit. Pire obligation faite avec un pouvoir de transition, c'est pour organiser l'élection. Ouais, PM connaît tout. 7 février 2026, t'as dû être un président, t'as dû être un pouvoir légitime, un pouvoir qui est élu, qui prête tête pays. Le 7 février 2026, t'as dû être sénateur, député, magistrat, kazek, délégué de ville. C'est vrai, faut le mettre. Machine électorale là en branle. Mais si pas gen sécurité, c'est comme quoi m'a dit, machine électorale ça, il pas veut dire rien, il pas représenter rien pour moi-même. Depuis pas gagner sécurité, ou mettez garder ou te mettez ba garder te gen 9 KIP, 9 conseillers, ou mettez ba tout moyen nécessaire. Ou di pas gen sécurité, pas gen aucune élection qui a fait en dans pays. Depuis pas gen sécurité, pas gen aucune élection kap capable fait en dans place à moins dit et moi redit encore depuis pas gen sécurité pas gen aucune élection kap capable fait en dans pays même et je dis est-ce que ça kap fait là on ka di li moun ki a bon sécurité généralisée en dans pays est-ce que jamais les gars pral montrer ki a bon sécurité toute la capitale dans pays moi même moi doute très fort si c'est sous jamais les gars pral là. Si c'est sous jamais nèg yo rete là avec question ça. En tout cas désir bon garder bon venir avec Reginald Dumé et Peto Challenger ça monsieur qui a parlé concernant j'en la parler de action P
PM Gary Koni. Pour vous une perception, marché de masse, c'est comme si nous même qui nous jetons de masse là, nous ne pouvons pas marcher. Nous jetons de masse là, nous jetons de masse je dis à nous, monsieur Moun, qui est capable de réunir l'État. Nous, monsieur Moun, qui est capable d'abonner toute instance qui est dans l'État. Nous bouquons avec Moun qui a fait ça. Nous bouquons avec Gary Koni qui a tourné en haut, qui va comprendre rien. Si l'État prend le pouvoir, ce n'est pas nous qui réunir. Même si j'accepte l'État, l'État prend le pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons offert, c'est eux qui sont capables. Je dis à vous, c'est moi, nous sommes toujours en bas de tout problème. Nous avons Gary Koni qui sont dans le pays étranger, qui détruit, qui sont de nous, qui sont des gens qui sont contrôlés. Je dis à vous, c'est le ministre de l'Union qui va nous contrôler. Il continue à faire chose, qui va comprendre rien, qui mettait conflit dans le propre gouvernement avec tout le monde qui a pris la propre tête. Côté, je dis à problème ça, situation d'Afrique, Gary Koni est capable de faire. Il va être jamais capable de faire. Eh bien, ne sens ça, nous allons voir jusqu'où. Nous disons avec Nisébetéa, comme monde qui t'a supposé, ou bien comme institution, qui c'est la présidence, qui ont responsabilité. Si on même, je ne vais pas régler ces bagages-là. Si on ne prend responsabilité au problème des idées, eh bien, même à ici, militant de Chambas, militant d'Elma, militant de la Sage, militant de Soleil, il y a un à partir du moment où je dis à la même, mais moment n'a pas là. Ce peuple-là, en condition 2, ça veut dire mobilisation. Désir, ça c'est Réginal Dumé, Monsieur Sayo, qui décide d'aller. Mais tout à désir, en tout tombé non, avec équipe rivale, hein? Parce que vous-même, tout est dans la rue aujourd'hui, et vous avez dit que aujourd'hui, hein, vous mobilisez tout contre l'équipe en place, là, parce que vous estimez que, n'est-ce pas, ces dames qui l'ont, pas vrai, ANC. En nous regardant, entendez comment que vous-même en soi, vous avez mobilisé. Mais désir, moi, je en 2025, ça. En tout cas, si moi j'ai fait Noël, Nadi Blaise a décidé de nous ça. C'est une obligation pour Noël. Exactement. C'est anniversaire pour elle, hein? Tout le monde connaît. Et monsieur ça, ça a été représenté, ça a été symbolisé pour ça qu'a fait la Jodia, pour bataille, pour nous être capables de gagner l'indépendance. Nous, tout le monde qui combat que Jean-Jacques Dessalines a subi, tout le monde a subi jusqu'à ce qu'elle même accepte. Il a crucifié lui à cause de nous, à cause des problèmes nous. Je ne dis pas, il faut nous être insensé pour nous pas tenir compte de vos camarades, ça, vos présidents, ça, que nous te connaissons unique, qui passait en un pays, ça. Je dis pour nous pas être capable d'honorer lui, pour nous pas être capable de prendre ça, pour nous battre toute importance qu'elle méritait. C'est la raison pour laquelle nous, dans la rue, je dis, nous honorons la journée naissance li, et en même temps, nous profitons, même moment ça, pour nous dire bonne cause, pour nous dire bonne vendeur de pays, yo, commencer de 9 bandits qui vont être payés à 4 dirigeants, plus un premier ministre qui est encore plus mal que l'autre, un bon corrompu. Je dis à nous, vous mettez fin avec ça. C'est la raison pour laquelle nous venons dire, Mounsa, il faut que vous laguez pieds. À bas de corruption, à bas des ordres, vivons Haïti libre, vivons Haïti indépendant, vivons Haïti, pour que ces Haïtiens qui souverains qui ont droit, décider pour lui, pour nous dire, à bas de je dis à son gros date, oui, Chantel, 20 septembre, date naissance, empereur. Ça veut dire que ça pour eh bien, ça veut dire un pile bagaille pour nous. Et ça que je dis à nous de dire, pour lancer une marche que nous relais, la marche des braves. La marche des braves, là, ce sont les braves qui sont avec nous. Ce sont des intrépides qui sont avec nous. C'est ça qu'on a fait là. C'est-il nous pouvons, le braviote qui est pour la RIA,
et nous-mêmes bravions nous dans la ria. Nous dit pas qu'il monde qui autorisé à mettre nous dehors. Nous dans la ria net. Et chaque là nous dit n'a dans la ria, n'a pouvé, n'a campé dans la ria jusqu'à ce que voler ça yo qui te paye. Le désir là, bon, c'est que si c'est elle qui a dit qu'elle connaît menti 77 fois qu'elle connaît bien menti. Nous-mêmes, nous la ria chaque jour jusqu'à ce que Gary Conny la guépéria. On parle de la commémoration de l'anniversaire et de naissance de notre Jacques Dessalines, parce que lui, c'était un brave, et nous choisissons surtout de baptiser la marche comme étant la marche des braves. C'est juste pour prouver au monde entier que malgré toute forme de synergie effectuée contre notre évolution, mais nous décidons de décréter la permanence, quelque compliquée que soit la situation, pour dire non, ça ne doit pas continuer. Et peu importe les circonstances, nous allons libérer Haïti avec notre force, avec notre synergie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, et comme vous, la presse, vous pouvez le constater, il y a une foule immense qui décide de fouler le sol, et malgré les pressions des hommes au pouvoir, parce que d'ailleurs, ils décident surtout de planifier des démagogies en disant pour l'instant qu'on parle d'une forme, d'une histoire d'état d'urgence sécuritaire. Tout le monde sait très bien, cette histoire d'état d'urgence sécuritaire décrétée par le gouvernement, c'est juste pour essayer non seulement de piller les fonds publics, mais de donner pression également à toute personne qui se sent être essoufflée. Et toutes les personnes qui sont asphyxiées de dire non, eh bien c'est juste pour empêcher tout ça. Eh bien nous, aujourd'hui, nous décidons d'utiliser cette date, qui est, comme je disais tantôt, la date de la commémoration de l'anniversaire de naissance de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme étant un brave, pour dire c'est une marche des braves. Et là encore, je suis par devant l'ambassade du Canada. On sait très très bien qu'est-ce que l'Occident, qui est représenté par ce trio, et les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada. Bon, quand, comme pour l'instant, lorsqu'on parle du Canada, on voit l'Allemagne, on voit l'Angleterre. Donc maintenant, on leur dit tout carrément que là, il y a des filles, ces fils du pays, qui comprennent la nécessité de prendre la situation en main et de dire non. Dorénavant, il faut que les décisions concernant Haïti soient prises par les Haïtiens, avec les Haïtiens, pour les Haïtiens. Et pour une fois, nous demandons à toute puissance étrangère qui se disent être amis d'Haïti et de faire leur preuve, de se mettre aux côtés du peuple haïtien et de comprendre très très bien que pour l'instant, on a affaire à un peuple qui est asphyxié. Nous devons l'ambassade canadienne là pour nous dire que nous pas d'accord à ce qui a passé dans le pays. Nous pas d'accord à ce que monsieur a fait dans le pays. Nous pas d'accord à l'ingérence internationale. Côté, vous comprenez, Haïti son province dans le pays. Comme quoi, ou t'es dans Port-au-Prince, ou a passé l'ordre à Rocap, ou a passé l'ordre à Saint-Marc. Nous disons non. Nous disons, nous avons une histoire. Nous libres. Nous sommes peuple qui est indépendant. Nous sommes peuple qui est dans pile l'autre nation. Yo pas capable après toute ingérence ça sur nous. Côté yo mette nous dans situation si gen moun ki gen famille ki mouri nan nord, c'est relé pa au prince ou pa kal nan nord, si moun nan gen moun ki mouri pa au prince, ti pa ka sot nan sud, li pa ka sot nan ken l'autre côté. Tout récemment là, tout produit peuple là gaspillé nan forêt des pins, nan fond verret, nan Oriani, nan Boukanchat parce que pa ka descendre près des milliards de gout perdu nan économie peuple là. Là nous venons garder ça qu'a fait avec CPA avec tout nous jodi a j'ai annoncé la marche des braves qui en commande devant l'ambassade Canada et l'ambassade Canada il veut qu'on pile bagarre dans pays là c'est moun sa yo choisi importer Gary Conny ba nous avec ça que les trois groupes là yo gen Brésil États-Unis et Canada et puis c'est le pays en dans quoi groupe là c'est organisation une forme de pays ça yo ba nous ça créer les CARICOM qui pour venir ba contrat avec moun yo dit que les CPA qui est dans le CPA? Nous saisissons. Et Jean-Gérard Gilles, qui a pris un contrat dans mes blancs, j'ai dénoncé. Nous saisissons. Et gars, les blancs, t'as fait sous le blanc. Les oppositions qui font bagaille, la justice toujours prêt pour le faire, pour le prendre la griffe. Depuis ces petites nuits-là qui font bagaille, ils passent très tout ça. Ça veut dire petit malheur et malheur, je vais de la justice dans le pays. La police, la police, nous avons un moment, la gars, ils ne connaissent pas, ils viennent ils. Ça fait ça. Chaque machine bouge en là, il y a des motocyclettes devant des policiers, on va compter elle. Ça veut dire la police n'est pas faite pour faire encore. L'autre, c'est ce 14 ans malé fait pour la police qu'on y a. Chaque entrepreneur dans le pays, chaque bourgeois, il y a un numéro chef en direct. La caille, il y a un problème pour aller en direct. Ça veut dire nous-mêmes, nous n'avons pas d'autorisation. Ni la police, ni la justice. Nous-mêmes, nous avons des gars qui souvent, il y a un problème de justice là. Après la police, c'est pour bourgeois ça, nous n'avons pas besoin là.
quartier par quartier, zone par zone, il y a pas de sécurité. Moun gamba a bouillo, il y a pas joué une bagage ça. Nèg yo dit encore, yo dit qu'on ça l'école la poubelle normal. Nous pas joué ça. Nous mesure, quand nous pas joué yo, nous mandé blanc. Est-ce que c'est lui même qui tout bise nous? Nous mandé du plan voici. Est-ce que c'est lui même qui tout bise nous? Nous mandé ce bagage. Jeune garçon pas manger, jeune garçon pas dormir. Nous mandé gars iconique qui ça la pied avec nous. Nous même ça. Nous parler pour faire des choses qui ont c'est nous avons une case de nous avons nous avons dit aujourd'hui assez brave yo dans la vie. Désir, qu'est-ce que nous mon frère? Ben, moi, je pense que l'important pour le mouvement ça a continué, pour montrer avec le gouvernement et la communauté internationale là, que tout le bagage par rose, c'est un projet appel là. Et peuple haïtien, quel que soit à côté nous, nous devons continuer à lever voir nous pour dénoncer le modèle de gouvernance qui est là parce que ni pas de gouvernance peuple, ni rentre chaque jour, nous plus attristés parce que c'est nouvelle mort, nouvelle crime, nouvel assassinat, c'est eux-mêmes qui toujours tomber malgré autant de que la police continue à teke quelques graines, quitte c'est dans Gressier, il y a plusieurs bandits qui tombent, quitte c'est dans Badelma, en pile bandit tombé, quitte quoi de Bossal, en pile bandit tombé, mais continuer à bien bandit. Quand on cherche à résoudre le problème là, parce que même les pannes de l'île dit, question 11-20 millions, il réellement réexiste comme mon cap 20 âmes, cap 20 cartouches, en dedans pays, pour que l'on cherche. Merci avec vous-même qui t'a regardé et t'en tout partout à travers le monde là. Sous mes sacs nouvelles, les infos, point et nouvelles, votre calbas info, racine nouvelle Haïti, et à point et nouvelles, pas oublier et abonner, like, commenter et puis activer la cloche notification pour ne pas rater cette émission. Merci, bless personne.